I forgive and even more those who are in need. Than a day, how low I miss you. If you surely have yourself, everyone who's around you. On the day of judgment, Allah will surprise you. If you show good tidings, pray hard, 5 times a day. Show love to everyone around you. Yeah. If you learn and teach others to. Salam alaikum, je suis votre frère Mohamed, président de la mosquée d'Ivry-sur-Seine. Je vous souhaite la bienvenue. On a l'équipe qui est en train de préparer les repas qui vont être distribués tout à l'heure. Nous en servons actuellement en moyenne 400 par jour. C'est une activité qu'on fait maintenant depuis une quinzaine d'années. Je suis Aziz Laloufi, représentant du collectif Anour, le vice-président plus exactement. Il y a 3 pôles dans la partie distribution. Le premier pôle, c'est la préparation du dîner en lui-même, du panier repas, qui est fait par une sœur, Hadja Soraya, a choisi le roi. Assalamu alaikum, ahbabikum, vous êtes l'association à manger et soutien pour tous. Ici, on fait des repas, avant on faisait beaucoup de maraudes, maintenant je fais des surtout pendant le ramadan. Distribution de colis alimentaires, de vêtements à l'international, Algérie, Maroc, Tunisie, là où j'ai pu rentrer, j'espère aller au Mali bientôt. Et voilà, et après bon, tout le mois du ramadan, c'est une réussite. Alors, la mosquée d'Ivry, c'est des gens qui sont magnifiques. J'espère que la grande mosquée d'Ivry se fera, Inch'Allah, de tout mon cœur, parce que c'est vraiment des gens corrects. Tous les responsables de l'association de la mosquée d'Ivry, Allahumma barik. Sont tous magnifiques. Cette année, on est entre 1400 et 1600 par jour. Alors, bon, on a la mosquée d'Ivry qui prend entre 400 repas, qui distribue aux gens d'Ivry aux plus démunis. Après, nous avons les 400 étudiants, Orsay, Palaiseau, les Ulysses, Courcouronne. Après, on a 140 gens SDF qui sont là dans le squat de. Comme ça s'appelle, le chronopost là-bas. On a 120 personnes dans un foyer de Thiers. Notre association vient chercher pour distribuer. C'est des vieux chibaniques qui ne peuvent pas cuisiner. Il y a 30 personnes à la République qui dorment dehors. Et on a 150 à 200 personnes qui viennent récupérer ici la mosquée d'Ivry. C'est les seuls qui font tout pour nous soulager. Ils font appel aux dons pour moi. Eux, ils donnent pour tout le monde. Alors, c'est ça que j'adore chez eux. Ils me disent, bah non, moi je veux ça pour les miens. Parce qu'eux, ils donnent ça. Eux, nous, on travaille pour des anonymes. On ne sait pas qui mange. Eux, les anonymes mangent de nous, notre part, c'est les anonymes. Entre anonymes, on ne peut pas choisir. Et pas qu'autre chose, comme moi, comme Ivry, toute religion confondue, toute race confondue, le ventre n'a pas de frontières, l'estomac n'a pas de religion, et le cœur non plus, il n'y a que d'amour dedans à donner. Quand tu donnes, tu es tellement heureux, ça t'apporte d'oxygène pour moi. J'ai 64 ans, rester là à compter les mouches, non. Je sais pas, et quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous le donnez sincèrement du cœur, regardez droit dans les yeux. Son regard va vous parler. Et ça, c'est, vous avez tout gagné. Si tout le monde faisait un peu pour l'humanité, le monde ne serait pas ce qu'il est. On envoie des frères récupérer les marmites de chaud et de froid. Et nous, ici à la mosquée, on met en boîte. Des fois, c'est de la charba, la harira et d'autres plats. Et à 19h30, on commence la distribution pour les nécessiteux. Voilà, ça tourne autour de 400 repas. L'an dernier, on était monté jusqu'à 600 repas. Sachant qu'aussi, on aide d'autres associations. Il y a 28 repas qui partent à l'Armée du Salut pour 28 femmes célibataires. Et on a un frère aussi qui a une association sur Ivry qui nous prend aussi 50 repas par jour. Portraying bad deeds, missing the 5-time prayers, showing hatred to people, there is no much time for. Donc vous avouez que ces deux dernières années,
nous ont montré que le besoin était encore plus grand. Et malheureusement, la crise Covid, la crise économique et la situation, déjà, la précarité d'un certain nombre de gens fait que les besoins sont là. Et c'est vrai que nous aussi, nous sommes, comme vous pouvez le voir, dans un lieu précaire pour le moment, car on attend avec grande impatience un grand projet qui va nous permettre encore plus de développer ces activités sociales, pas que sociales, mais l'ensemble des activités de la mosquée, mais en particulier celle-là. Et c'est un projet qui devrait démarrer dans quelques mois, normalement au mois d'octobre, nous posons la première pierre. Et nous espérons voir ce projet se concrétiser d'ici 2-3 ans au plus. Le social, ce n'est pas que le ramadan, mais le ramadan, c'est vraiment un moment très fort pour le soleil, en particulier pour la distribution des repas ou de colis alimentaires. Tout au long de l'année, on fait de la distribution de colis alimentaires. Alors, je ne vous cache pas que le fait qu'on n'ait pas un lieu digne pour justement développer ces activités, c'est très compliqué de le mener tout au long de l'année. Mais encore une fois, le projet qui va démarrer très bientôt va nous permettre de faire énormément de choses et de développer ça tout au long de l'année. C'est un projet qui a mûri maintenant depuis 15 ans. On l'a travaillé en partenariat avec la municipalité pour accueillir jusqu'à 5000 personnes dans ce projet. Il y a des activités culturelles, bien sûr, il y a des activités éducatives, il y a un pôle commercial. Donc c'est vraiment un lieu ouvert, un lieu fonctionnel, un lieu de bien-être pour les musulmans, mais aussi pour les non-musulmans. C'est comme ça qu'on l'a pensé. Et c'est ce qui va nous permettre de développer tout ça. Pour en savoir plus, allez sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, et à venir nous voir pour plus d'informations. Embracing greediness by you, keeping your arm folded for long.